Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War: Three Kingdoms avec le roi Kongrong en bonne voie du coup vers le trône de l'Empire. Alors, on se retrouve du coup juste après avoir pris Shanghang, la cité impériale, et avoir déclenché plein d'événements. J'ai passé un petit peu de temps en off à chercher qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit, normalement, quand on prend cette cité-là, les Han, enfin l'Empire des Han devient notre vassal, et on a bien eu l'événement comme quoi il était devenu notre vassal, et à la suite de quoi il nous a demandé d'arbitrer la paix avec les gens qui sont en guerre contre les Han, sauf que les gens qui sont en guerre contre les Han, il y en a quand même quelques-uns, et on n'a pas eu l'arbitrage pour tout le monde. Et surtout, 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 les Han ne sont plus du tout notre vassal. On peut complètement rentrer en Finissons-en. guerre contre eux, faire du commerce, enfin plein de trucs, ils sont plus du tout notre vassal en fait. C'est devenu une faction totalement lambda que l'on voit ici. Quasiment tout ce qui leur reste est là de toute façon. Et en C'est fait, bien. et ben je me disais, what the fuck? Après avoir rechargé la partie, fait plusieurs tests, refait les batailles, cherché sur internet, j'ai fini par comprendre. En fait, je pensais avoir eu un bug. Mais non! En fait, quand j'ai pris cette capitale, j'ai déclenché deux événements uniques dans le jeu en même temps, à savoir capturer l'empereur, ce qui fait que je suis devenu effectivement premier ministre des Han et les Han sont devenus mes vassaux, mais en même temps, ça m'a donné suffisamment de prestige pour passer roi, parce que j'étais quasiment au rang de roi, j'étais à 11 je crois de prestige avant de devenir roi. Ce qui fait que ça a déclenché un autre événement, qui est l'événement des trois royaumes, hein, qui a donné son nom au jeu. Prêt au Et qui en bouclier, fait prêt à l'épée. fait tout simplement que le premier, enfin dès qu'une personne devient roi, les trois factions les plus puissantes deviennent automatiquement rois et revendiquent le trône de l'empereur. Donc même s'ils sont que marquis, second marquis ou quoi que ce soit, les plus puissants deviennent automatiquement rois et revendiquent le rôle de le trône de l'empereur. C'est pour ça qu'on a eu plein de personnes qui se sont revendiquées empereurs. Et en fait, quand ça arrive, l'empereur abdique immédiatement. Et du coup, le premier ministre de l'Empire n'existe plus, puisqu'il n'y a plus d'Empire. Et donc les Han se retrouvent totalement relâchés. Et ils deviennent une faction à part entière. Et du coup, en fait, ça a déclenché ces deux événements en même temps. Il a commencé à dépiler le premier ministre de l'Empereur. Donc j'ai pu arbitrer pour la paix un mec. Mais dans la foulée, en fait, il a dû calculer que j'étais devenu roi, ça a déclenché les trois royaumes, ça a mis fin à l'empereur. Bon, parce que dans la rafale de trucs qui était apparu, là, l'événement, l'empereur abdique est apparu juste après que les Han soient devenus mes vassaux. Et du coup, ça s'est débloqué comme ça. Alors j'ai refait des essais, en fait, si je Je ne faillirai capture pas. la capitale, mais que je la rase plutôt que l'occuper. Enfin que je la pille et que je l'occupe, ça descend son truc d'un niveau et du coup ça ne me fait pas assez de prestige pour devenir roi. Auquel cas je deviens vassal, enfin je deviens premier ministre, les Han deviennent mon vassal, mais il suffit que j'ai testé, hein, il suffit de prendre. J'ai pris ce truc-là, ça m'a fait assez de prestige pour redevenir roi. Ça a redéclenché l'événement du coup des rois et les Han ont bien été libérés. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt, les Han de toute façon, je pourrais absolument pas interagir avec eux, les annexer ou quoi que ce soit. Dans le temps imparti, je vais pas arrêter de conquérir des trucs juste pour les garder vassaux. Donc du coup, ce n'est pas possible, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, hein. Moi, je vais pas pouvoir vous montrer en détail ce que c'est que ce mécanisme de Premier ministre. Donc en fait, quand on est Premier ministre, hein, on a des bonus de prestige. On a des malus de diplomatie avec tout le monde et on peut annexer des villes des Han. En fait, il suffit d'amener une armée dessus et quand on clique, fait un clic droit dessus, plutôt que l'attaquer, on peut payer pour annexer immédiatement la colonie sans combat. Donc c'est tout, c'est pas non plus ouf. Puis c'est un vassal classique, après il file du blé et tout. Il a de l'argent infini apparemment, mais par contre il combat très très peu. Donc bon, on verra ce mécanisme plus tard. Peut-être dans une autre partie, de toute façon là, vu que j'ai mis très très longtemps à y aller, les Han, ils existent quasiment plus, hein. Ils ont un petit bout ici, un petit bout là, mais ils sont très très affaiblis. Ce qui fait que du coup, on a trois personnes qui se sont déclarées empereurs, et nous on est seulement roi, tout simplement parce que
Comme on est loyal envers les Han, on ne peut pas se proclamer empereur en fait. On est obligé de devenir empereur en capturant la capitale d'un empereur existant. Donc il faut qu'on capture la capitale d'un de ces trois-là. Et de par là même, on n'est pas entré en guerre contre ces trois-là. Enfin bon, il se trouve qu'on était en guerre déjà contre Sun Tse et contre Zhang Yang, donc ça n'a pas changé grand-chose, mais on n'était pas en guerre contre ce mec et du coup, on n'est pas entré en guerre contre lui. Alors que normalement, en se déclarant empereur, on devait entrer en guerre avec tous les autres empereurs potentiels, quoi. Du coup, on va devoir essayer d'aller capturer ces deux capitales dans un premier temps, si on veut pouvoir devenir empereur. Ou avoir un vassal qui les capture. A priori, si un vassal les capture, il nous les file dans la foulée. Donc on verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, on est devenu roi. On a débloqué pas mal de choses. On peut faire plus d'armées. On a plus d'affectations, on a des administrateurs en plus, on peut nommer un premier ministre, on a plus d'espions, enfin on a débloqué plein de choses. On a débloqué des options diplomatiques aussi. Vous voyez qu'ici on peut entrer en confédération, donc on peut absorber les terres d'une faction. Alors il se trouve que le duché de Zhong accepterait de faire ça, donc c'est le seul qui accepterait, hein. Il accepterait à pas grand chose, mais il accepterait. J'ai testé pour voir un peu ce que ça faisait. Franchement, c'est tendu. Dans l'état actuel des choses, là vous voyez, on a un malus de bouffe. Le duché de Zhong, on va se mettre comme ça, a également un malus de bouffe. Donc du coup, bah, pas de surprise, hein, on se retrouve avec les deux malus de bouffe cumulés. Et en plus, on se retrouve avec toutes les armées à financer, parce que toutes ces armées du coup rejoignent. Et en gros, j'ai essayé, je me retrouve avec moins 40 de nourriture et moins 13 cas de revenus. Donc autant dire que c'est un peu le bordel. Donc je pense qu'avant de faire ça, on va essayer de stabiliser un petit peu notre empire, hein, parce que là on a rushé, capturé ce truc-là, mais c'est totalement isolé de tout le reste. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour essayer de repousser les armées qui nous attaquent et ensuite de faire ça proprement. Éventuellement, s'il veut toujours, on le prendra dans notre confédération, le duché de Zhong. Ça me dérange pas outre mesure. Sachant que si on fait ça, il y a pas mal de généraux qui sont mécontents aussi. Hein, parce que du coup, ils étaient administrateurs, etc. Ils se retrouvent à de redevenir juste généraux, voire nobles de la cour. Et du coup, ils font la gueule. Ce qui est assez marrant, par contre, c'est que, en fait, j'avais absolument pas fait gaffe, ou je m'en souviens plus, mais en tout cas. Le duché de Zhong, donc Yuan Shu là, le chef du duché de Zhong, qui est je ne sais pas où, qui traîne dans une armée quelque part, il s'est marié en fait avec la reine des bandits qu'on avait essayé de marier au tout début là, qui était par là là, puis qui s'était fait défoncer, je ne sais plus comment. En fait, il se trouve qu'il s'est marié avec elle et du coup elle a rejoint sa faction. Et du coup, quand on annexe le duché de Zhong, et ben on récupère à la fois Yuan Shao qui fait la gueule et sa femme qui est pour le coup ne fait pas du tout la gueule parce qu'elle est hyper contente de nous rejoindre parce qu'elle ne peut pas saquer son mari. Donc c'est un peu le bordel. Lui il est hyper mécontent, enfin bon, c'est pas gérable. Donc voilà, juste pour dire que j'ai testé, mais on ne va pas le faire. Quoi d'autre? J'ai vu ici du coup en faisant mes essais que on avait une armée là qui se pointait, sachant qu'on a aussi une armée ici et qu'il y a en plus la garnison de cette ville. Je pense qu'on va devoir se replier dans ce. Ici, là, on peut pas gérer trois armées comme ça qui se pointent sur notre tronche. Et potentiellement plus, il y en a d'autres qui sont cachées. Donc il y a l'autre qui est en embuscade quelque part, on va devoir se replier. Donc ici, on va tout de suite briser le siège. On va ramener des renforts, on le fera après, hein. Et donc, du coup, ce que j'aimerais bien éventuellement, c'est me foutre en embuscade par là, par exemple. Ah, mais je peux bouger que là, ouais, d'accord. Je suis dans sa zone d'influence donc je ne peux bouger que là. Je peux pas me barrer. Par contre, il me reste suffisamment de mouvement quand même pour me mettre en embuscade. Ok, donc on va se foutre en embuscade sur la route comme des sacs. A mon avis, les chances d'embuscade sont pas ouf. Ouais, 45%, c'est pas dingue, mais il y a peut-être moyen. Est-ce qu'on a des trucs pour les généraux? Bataille nocturne, dégâts perforants, active plein de formations. Expérience bonus, portée de renfort. On n'a pas de bonus d'embuscade dans cette armée, donc c'est pas grave. On fera 100. Ici, on avait Kongrong qui se revenait tranquillement vers là pour éventuellement accueillir cette demoiselle et son armée.
Là, on s'était déplacé. Ici, je crois qu'on était bon aussi, hein. On s'était déplacé. Alors, j'ai quand même des trucs à faire, je pense, au niveau diplomatique. Notamment, maintenant, je peux faire des accords commerciaux. Alors, par exemple, je peux faire un monopole commercial avec lui. Oui. À 1-7, ouais. À 1-7, on peut réussir. On va lui filer un auxiliaire bidon. Ah oui, on a des trucs à donner aussi, tiens. Un petit bœuf de bois, là. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit bœuf de bois? Voilà, 2, parfait. Votre offre est parfaitement équitable. 1200 de bonus de revenus, on va pas cracher dessus. Et elle, j'ai vu aussi l'Empire des Han, on peut commercer avec. Pendant qu'il est pas encore mort. Alors on peut pas faire de monopole commerciaux parce qu'elle a déjà beaucoup d'accords. Par contre, on peut Ce sera négocier bien. un petit truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut négocier? Alors, il faudrait qu'on lui file du blé, mais ça vaut rien parce qu'elle a plein de sous. Et on lui donne un étalon rouge. Ouais, non, ça ne va pas trop. Tout ça pour 1000. Non, pour l'instant, c'est vraiment pas dingue. Créer des vassaux. On pourrait vassaliser lui. Ce qui serait pas mal. Est-ce qu'on peut pas plutôt l'inviter dans l'alliance? Mesurez soigneusement vos paroles. Vassaux, alliance. Ah oui, non, il est dans une coalition, c'est vrai. Donc, il faudrait que je le vassalise, que je le relâche. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, putain, puis en plus, 47, non, c'est mort. Il voudra jamais. Donc, au niveau des royaumes, on voit qu'il y a un petit truc doré autour. Hein. Donc, il y a le royaume de Ba qui est ici, qu'on ne connaît pas du tout, on sait pas du tout où il est. Mais au moins, on n'est pas en guerre contre eux, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ok, alors, au niveau des Restez à équipements. l'affût. Toi, est-ce que t'as un cheval? Toi, t'as un cheval. Par contre, t'as pas de partisan. Pour te donner un peu d'autorité, ouais, c'est pas ouf. Toi, tu serais peut-être pas mal avec un petit cheval. Hop, pour combattre plus facilement. Au niveau des armures, on a rien. Ici, on a rien. Ok. Là, on est déjà bien. Ici, on avait fait le tour, je crois, récemment. Donc, pas de soucis. On a récupéré pas mal d'auxiliaires à droite à gauche, hein, donc c'est pour ça que Surgissez avec j'en profite pour résolution faire un et petit frappez tour. fort. Donc, lui a déjà un cheval. Au niveau de ça, on a un garde, c'est très très bien. Serviteur sournois, parfait. Lui, il a plus de détermination. Il a une brogue en fer forgé. Ok, il est très très bien. Oui, ce que je voulais aussi, c'était recruter éventuellement une sentinelle si on en avait. Non, on n'en a pas. Ah oui, alors faut que je fasse aussi ça là. Premier ministre et compagnie. Donc j'ai des administrateurs à nommer, des premiers ministres à nommer, un premier ministre à nommer. Je pense que je vais passer l'un de ceux-là premier ministre. Alors voyons voir un peu les bonus. Oui, il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire dans cet épisode du coup, c'est un peu le bordel. Alors, qu'est-ce qu'il ferait? Lui, coût de construction moins 5, satisfaction plus 100, public plus 2, expérience pour toutes les unités plus 25, évasion en mêlée plus 10 pour l'infanterie de mêlée, dégâts à distance plus 10%, revenu toutes les sources plus 5%, influence commerciale plus 10%, c'est pas mal. On a lui également, si tu pouvais te barrer machin. Ça c'est la position qu'il a actuellement en revenu de l'industrie, oui tout à fait. Qu'est-ce que je peux... Voilà. Voir ce que ferait son nouveau placement. Alors, plus une affectation disponible, putain c'est puissant, plus 8 de satisfaction, plus 2 dans le public aussi, plus 5 de soutien de faction, rente de départ pour tout le monde, réserve plus 4, corruption moins 5. Putain ils sont pas mal là, ça c'est bien ça. Une sentinelle, satisfaction moins 2, ah ouais, bof. Lui, coup de redéploiement, satisfaction plus 3, tour d'incorporation moins 5, plus dans le public, de la corruption aussi. Et lui. C'est une sentinelle aussi, donc ça va être kiff-kiff avec eux. Ouais, parce que sinon, au niveau. Personne qu'on a. Alors, on pourrait aussi nommer notre femme. Hein, coût de construction moins 5%, hein, c'est pas mal ça. Revenu de l'industrie plus 15. Ah non, ça c'est les effets de sa position actuelle, pardon. Ah bah en fait ça change pas, c'est marrant ça. En tant qu'héritier ou premier ministre, elle a le même, exactement les mêmes effets en fait. Donc ça ne sert à rien, ça me permettra de mettre un nouvel héritier, mais c'est complètement con. Alors je pourrais faire ça et lui s'entendrait
pu avec... Je pense que je vais nommer lui. En plus, on le paye moins cher si on fait ça. Donc il s'entend toujours pas bien avec lui, mais au moins, lui, il va être super content. Ils sont tous super contents, cela dit, hein. Ça, ça en est plutôt bien. Alors, par contre, il me faut un gouverneur maintenant. Le gouverneur, il fait quoi de beau? Il gère les affaires de trésorerie et supervise les projets de développement. Alors, peut-être qu'un mec comme ça serait intéressant. Alors, putain, Foris, un peu relou ce truc là. Je veux voir l'effet qu'il a. Alors là, c'est ça, c'est l'effet. Bon. Effet de la position actuelle. Plus d'armée, nanana, croissant la population, de public, ok, très bien. Donc moi, ce que je veux voir, c'est si. Alors peut-être que si je fais différemment, je clique sur lui et je fais ça. Voilà. Revenu de l'industrie plus 15. Et c'est tout. Ok. C'est pas ouf! Là, revenu de l'industrie plus 15 et c'est tout, très bien. Si je prends, mettons, ce monsieur. Revenu de l'industrie plus 15 et c'est tout. Si je prends lui. Non, je peux pas. Si je prends elle. Revenu de l'industrie plus 15. Ok, donc en gros, ici, il y a revenu de l'industrie plus 15 et c'est tout. Ils sont pas fifous, hein, les postes là. Donc on va chercher quelqu'un qui gagnerait. Donc là, changement de satisfaction plus 24, plus 24. Plus 12, plus 12. On doit avoir des gens mécontents là. Voilà, il y a lui qui est à moins 48. Lui aussi là. Nouveau salaire 315 plus 315. Ah, on ne la paye pas elle. Tiens donc. Intéressant. Donc il nous faudra du coup quelqu'un qui est mécontent. Bon, eux ils sont dans le jaune avec les malus. J'ai bien envie de le nommer lui. Je sais pas du tout, non à mon avis il s'entendra avec personne. Ah, lui il s'entendra bien avec les gens, bon bah c'est que du... Elle s'entendra bien avec tout le monde. Ça pourrait être intéressant. Derrière c'est des petits nouveaux, donc on va pas les... On va prendre notre nouvelle copine là. Après si c'est effectivement c'est une espionne de Zong, ça peut être un peu emmerdant. Hein. On va pas se le cacher. Toi, t'étais où avant? Royaume de qui? Donc ok, donc t'as quitté le royaume de qui et t'es revenu? Peut-être parce que je l'avais envoyé comme espion. Oui. Je ne me souviens plus de l'historique. Royaume de Aishan, ouais. Bon, tant qu'à faire, si je vais avoir un espion, je préfère encore que ce soit elle. Hein. Donc on va mettre cette demoiselle au conseil. Ce personnage est un parent éloigné. Ah oui, tiens. On peut voir ça? Comment ça se fait que c'est un parent éloigné? Nos enfants commencent à être un peu grands, c'est cool. Alors, si je regarde le duché de Zong... Oui, donc on voit qu'ils sont mariés. Il y avait un frère qui est mort. Attendez, mais c'est pas ma femme elle? Héritier? Ah oui, mais elle est pas héritier de Yuan Shao, ça serait abusé. Mais c'était sa fille en fait. D'accord, intéressant. Ah, c'est marrant ça. Oui, non, voilà, c'est lui l'héritier du duché de Zong. C'est marrant ça de pouvoir voir ça. Alors, Kiao Kiao, visiblement. Ah non, je me disais aussi. On a Kao Ren, général du royaume de Wu. Qui est marié avec Dame Wu. Ok. Alors je sais pas du tout comment je peux faire pour voir pourquoi cette dame est un parent éloigné. Ouais, donc là c'est vraiment que les relations. Bon, c'est pas très grave, hein, mais je trouve ça assez marrant. Pareil, elle, ça fait un moment qu'elle est là et elle est très très efficace. Miao Wan Wan. Bon, après, je pense qu'au bout d'un moment ils vont mourir ces gens. Hein. On a quel âge? On a 57 ans, elle a 59 ans, 44. Ouais, au bout d'un moment, il doit finir par mourir. Bon, bref, on a des administrateurs à nommer. Alors, administrateur. Toi, par exemple. Plus 36. Hein, donc ça t'annule pas tout ton truc, mais t'es quand même un peu moins mécontent.
Alors, effet de la position, armée disponible plus 100, réduit toutes les sources plus 15 dans la commanderie, corruption moins 30 dans la commanderie, ça c'est cool. Et dans toute la faction, coût de construction moins 8, entretien. Oui, non, c'est dans toute la faction, il n'y a rien, mais dans la commanderie gérée, plus de croissance de la population et compagnie. Alors lui, il est content, donc on s'en fout. Lui, il est mécontent. Coût de construction moins 7, revenu du commerce, de la soie et des épices. Ouais, bon, bon on va nommer lui. Et on peut le mettre du coup. Alors, ABI. ABI, on a personne, tiens. Mais BI, c'est pas hyper riche non plus comme truc. Hein. À Bohai. Bohai, il y a moyen de financer des constructions en le mettant là-bas. Je pense qu'on va le mettre là. Ok, on n'a pas d'autre administrateur. On a remplacé notre grand gouverneur. On a un premier ministre. Faudrait éventuellement qu'on vire lui parce que personne peut le saquer. Mais bon, on verra s'il se fait tuer un jour ou pas. En tout cas, ça c'est fait. Bon, épisode un peu de gestion hein, pour l'instant. Je suis désolé, mais il en faut, surtout quand c'est un peu le bordel comme ça. Donc la diplomatie c'est fait, les espions. Les espions, les espions. On n'a pas grand monde. Hein. On a Yan Wen là. Alors Yan Wen, tu fais quoi dans ta vie? Donc il vient de l'Empire des Han et visiblement ils les aiment pas. À part ça, il fait rien de particulier. Très très bien. Donc du coup, on pourrait l'envoyer quelque part. Alors, avant d'envoyer des espions, il faut que je fasse des affectations. Parce que là, vu la bouffe qu'on a, il faut qu'on blinde un peu. Alors ici, on a de la nourriture. On pourrait mettre une affectation de nourriture. Mais on a personne de disponible. Il nous faut des gens. Alors, un fichier indisponible. Voilà, genre des gens qu'on sale. Hein. Développement agricole. Ou exploitation agricole. Donc des champions. Il nous faut des champions. Est-ce qu'on peut recruter des champions? Non, on ne peut pas recruter de champions. Merde. Ça, c'est la loose. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on investisse dans de la nourriture. Alors du coup, toi tu peux faire quoi? Stimuler les marchés, c'est de la merde. Contre-espionnage. Croissance de la population. En plus ici tu vas pas t'entendre avec lui, donc autant pas te mettre là. Donc là ils sont en train de revenir ces deux-là. Après un petit revenu du commerce pourrait être pas mal, auquel cas il faudrait la foutre dans un endroit où genre il y a du port de commerce. Par exemple ici. Mais on peut pas, pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelque chose, ok. Du coup, un autre endroit où il y a du commerce. Un pavillon. Ouais, ici par exemple. On va faire un petit programme d'éducation. Hop, voilà. Bon, la population, ça sert pas à grand chose, mais au moins le commerce, ça pourra donner un peu de blé. Hop, affectation, nomination, on le sait. Donc, il nous faut des champions. Il nous faut recruter des champions. Trouver des champions et recruter des champions. Avant ça, il nous faut de la nourriture. Alors, ça non, ça consomme de la nourriture. C'est pas le thème. Là aussi. Ici, on peut améliorer ça. De 6 à plus 8. C'est pas mal. Ah, mais ici, on en vend en plus. La nourriture. On pourrait convertir ce truc, c'est où ça? Chen. Ah oui, c'est cette... oui, c'est ici, pardon. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Ouais, avec ce truc là boosté, ouais. Bon, alors attendons de voir si on peut construire ailleurs. Ici. On pourrait augmenter la production de pêche. Non, pas vraiment. Ici c'est un commerce portuaire également, donc ça n'augmente pas la pêche. Ici c'est un appontement, donc là on pourrait par contre partir sur une poissonnerie. Bon, ça fait que 1 de nourriture supplémentaire, hein, c'est pas dingue. Ici on peut faire des mines de sel, ça fait pas de nourriture.
Bon, ça c'est un bureau de poste, c'est hors thème. Un atelier d'ouvriers aussi. Ici, on peut améliorer ça. Ouais. On va le faire, hein. Pas trop le choix. On va le faire ici plutôt qu'à Chêne. Les commanderies contestées, pour l'instant, on va pas prendre de risques. C'est quoi ça? Révolte des turbans jaunes, sérieux? Putain, Liu Bei, tu t'occupes de ça, s'il te plaît, merci. D'accord, bon, on va garder le reste de nos sous pour d'éventuels problèmes. Parce qu'il se pourrait qu'on en ait des problèmes, hein. On va pas se cacher, pas se voiler la face. Ma lame est prête. Donc ici, il faudra qu'on prenne cette mine de jade pour compléter notre commanderie. Et après, je pense que nos armées, il va falloir qu'on les envoie peut-être pacifier. Parce que là, on est complètement isolé. Hein. Il faudra qu'on pacifie ici. Peut-être qu'on pacifie là. Enfin, on a plein de trucs à faire. Voilà. On passe le tour, ça y est. Après 30 minutes d'épisode. Alors, nos vassaux se bougent enfin les fesses. Ça fait plaisir à voir. J'ai un peu trop zoomé là. Enfin, dézoomé en l'occurrence. Le royaume de Wu fait des trucs. Il déplace une armée, ok, très très bien. Alors là, il nous attaque. D'accord, ici, il nous attaque. Très très bien. Waouh, on est dans le mal en plus. Hein. Avec notre force inférieure, nos conseillers ont annoncé une défaite de justesse. Hein, ça veut dire qu'on pourrait peut-être la faire, du coup. On va la faire. Ok, donc là, hein, comme on pouvait s'y attendre, il avait personne pour s'occuper de lui, donc il y va. Vu que notre armée était en embuscade, je ne sais pas où, il s'est pas fait piéger, il préfère attaquer là. Alors, par contre c'est de la ferme d'élevage, donc on n'a aucun bâtiment défensif, à part ici. On pourrait s'appuyer sur ce truc là, mais alors vraiment, vraiment histoire de dire. Hein. On a quand même pas mal d'archers. On va poser par ici du coup. Hop, voilà, on va prendre une unité là qui ira éventuellement boucher ce petit trou là dès qu'elle pourra, et vous tous vous allez vous mettre par ici et vous irez fermer par là. Voilà, on va essayer de d'optimiser au maximum nos dégâts, même si forcément en défense c'est un peu plus compliqué. Alors ils ont des arbalétriers, mais c'est des arbalétriers à répétition, hein, donc on les a jamais vus encore, mais ils ont une très courte portée. Du coup on devrait pouvoir leur prendre quand même pas mal de tirs. On va donc se placer comme ceci. Hop, c'est parti, on garde quelques réserves pour gérer éventuellement la cavalerie. Donc ici on est d'accord qu'on ne peut pas marcher là, on ne peut pas marcher là, hein, donc il sera obligé d'éventuellement faire tout le tour s'il veut nous choper de flanc. Donc ici il y a de la cavalerie, beaucoup de cavalerie, attention. Une milice de sabre, nanana, bon on va se prendre quelques flèches, ça devrait pas être fou. Et on commence à tirer sur les arbalétriers déjà. Ça fera un peu de place. Vous courez là. Qui me font moyennement confiance. Mais attends, mais ils se tirent dessus ou quoi? Pourquoi je vois des flèches qui viennent de là-bas là? Ça n'a aucun sens. Non, ça devait être un bug d'affichage, je pense. Alors, ici, ils décident de faire le tour, parfait, ce qui veut dire qu'on va envoyer eux ici en courant. Courez s'il vous plaît. De ce côté-là, putain. De ce côté-là, il faut qu'on avance. Genre vite. Il
y a eux qui y vont, ok. Là ils sont en train de faire le tour, donc on va se placer comme ça. Comme ça, c'est parti. Bon, mes archers sont engagés. Il met de la force, c'est pas grave. Reculez, reculez. Préparez-vous. L'heure est venue. Ici on a encaissé et on n'a pas assez d'unités par contre pour gérer tout le monde. Archer, regardez-les fuir. Lâche. Archer, préparez-vous. Oui. Après nos archers font le taf, hein, ça fait plutôt plaisir. Ici on les a chopés. Ici on recule. C'est quoi ça? C'est nos archers, ça va. Alors là c'est la méga mêlée. Ici on va se contenter de tenir, on va se mettre en mode garde. En ce temps là nos archers au moins font un peu mal à tout ce qui passe. Ah, ici c'est en train de céder malheureusement. Ah, ici aussi ils ont traversé. On va les poursuivre tant pis hein, même si du coup on laisse eux libres, c'est un peu chiant mais... arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, plus vite! De toute façon, on va arriver en dèche de munitions à un moment. Hein. Terrassez-les. Les guerriers ennemis déguerpissent! Archers! Tirez-leur dessus, vous. Ici, c'est en train de céder au centre. Il y a le général qui y va, mais on lui fait bien mal quand même, il est indémoralisable, c'est pas grave. Ici ça tient, mais bon, c'est de la milice. Hein, donc... Bon, là je leur demande de tirer dans le dos histoire de s'occuper un peu de la cavalerie, mais à mon avis. Ok, ici c'est libéré, donc les archers. On va replacer en courant, et ensuite est-ce qu'on va plutôt par là? Ah bah eux ils ont terminé, tiens. Occupez-vous de ça, nous on va aller renforcer un peu par là. Ou par là plutôt. Archer, au garde à vous. Tirez vos projectiles. Ici on va tirer dans le tas. Avec ce qu'il nous reste de munitions. L'objectif, comme d'hab, hein, est pas forcément de gagner, mais de faire du dégât. Hein. Dans un combat comme ça, qui est quasiment perdu d'avance. Nous sommes sans munitions. Tir impossible. Archer paré. Allez, débarrassez-vous de cette cavalerie. Guerrier, écoutez-moi. On a quasiment annihilé leurs unités de tir, on a fait quand même plutôt mal à leurs généraux. À leur cavalerie aussi, mine de rien. Là il reste quelques cavaliers qui combattent, qui tiennent la ligne, en cercle. Mais bon, normalement ils devraient céder au moins face aux lanciers. Après c'est de la milice, hein, donc elle est quand même plutôt efficace dans ce rôle là. Et là on est en train de céder. Allez, retournez au combat vous. Ici il nous reste quelques archers avec un peu de munitions, là ça cède. Ici, bon bah ils font le taf comme ils peuvent, hein, mais bien sûr pas de miracle. Eux ils sont plus ou moins en déroute visiblement, je sais pas ce qu'ils foutent. Lance à la main. Au pas doublé. Regardez-les fuir. Lâche.
Ok, leurs orbes détruits à répétition s'enfuient, c'est cool. Ne cédez rien. Une petite peu de milice qui s'enfuit par ici. Alors, vous pouvez peut-être choper cela, vous. Après tout, vous êtes censé être efficace contre. Là, ils résistent, c'est impressionnant. Ici, notre milice résiste, mais elle commence quand même à souffrir. Hein. Logique. Ok, là, ça s'enfuit. On va donc faire une petite charge. Allez, les gars. En avant. Ah, ils ont réussi à briser mes guerriers lanciers, malheureusement. Ouais, ça s'écroule de partout. Eux vont céder. Là, le général a cédé aussi. On a réussi à mettre en fuite sa cavalerie quand même, mais c'est la fin. Défaite de justesse, mais défaite quand même. On a réussi quand même à lui faire mal, hein. Sa cavalerie a bien souffert, ses généraux sont quand même bien dans le mal. Bon, lui a bien fait le taf aussi. Hop là, alors est-ce qu'il la prend? Il la prend, ok, très bien. Bon, ce truc là aurait été... Ah, ici on va réussir à le choper en embuscade et en plus il est épuisé. On va donc la faire, bien entendu. Hop, c'est parti. Bon, je sais pas où il a vu qu'on aurait des... On aurait des dégâts hauts par contre. Moi je pense qu'on va surtout les défoncer. Alors, à quoi ça ressemble? Les unités de combat sont à l'avant. Ok. Il y a quand même une belle, belle, beau tas de salopards. Très bien, donc ici. On va pouvoir charger ces gens directement. Alors, notre catapulte, est-ce qu'elle a un espace dégagé où se mettre? Ouais, ici c'est pas mal. Histoire de tenter quelques tirs. Alors, il nous faut de la cavalerie pour l'arrière, là. Une ici et une ici pour s'occuper directement de ça. Il va nous falloir des gens ici pour prendre en tenaille ces deux unités-là. Eux, ils vont s'occuper de, des trébuchets et de machin compagnie. La milice dans le coin là. Ça c'est quoi ça? Infanterie mercenaire, tiens donc. Beaucoup beaucoup d'unités le copain quand même. Nos archers, donc là on a des gardes lanciers, ça me va bien. Ici on a quelqu'un capable de sauter dans le dos. Il y a tout ça qu'on ne peut pas gérer malheureusement. Ce qui est un problème, ce qui est carrément un problème. Il va donc falloir qu'on utilise notre cavalerie un peu plus largement. Donc par exemple ici, on va laisser la cavalerie gérer tout l'arrière. On va mettre des gens là. Je suis prêt. Un général à l'arrière ici pour gérer tout ça. Entre ensuite toi. Tu vas également te mettre là. On va quand même prendre une unité ici pour filer un coup de main. Eux ils gèrent là. Alors là on a pareil, on en manque complètement de troupes. Il va falloir qu'on s'étende. Hop, voilà. C'est de la milice, hein, donc on a moyen de les choper de dos et de leur faire mal. On a des archers répandus un peu partout. Toi, tu vas te mettre ici, mais c'est beaucoup trop faible hein, ce coin. On va devoir reculer. Hein. On va plutôt mettre notre truc par là-bas. Toi, tu vas mettre un peu de soutien. Alors, la cavalerie qui est ici. Et là, je ne trouvais plus. Vous allez vous mettre dans le coin là. Il y a des archers au milieu de sa ligne? Non, hein, il a strictement rien. Ok, c'est parti. Alors ici, charge là. Ici, charge là. Là, on charge là. Ici, on charge là-dedans. On charge là-dessus. Vous vous chargez là. Non, quoique eux ils vont plutôt choper cela.
Ici on va essayer de choper la cavalerie. Là. Ici on va, ouais, on va charger sur E pour l'instant. Alors c'est de la milice armée de G, ça me fait un peu chier de charger de la cavalerie là-dessus, mais c'est pas grave. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu charges ici, ça va céder assez vite. Donc ici on va essayer de les occuper de dos en fait pour pouvoir les charger derrière. Les archers vont essayer de se débarrasser de ces cons rapidement. Ici on charge en face, là, ici, là, ici. Ici je me demande si je vais même pas rester là en fait, plutôt que charger. Ouais, on va faire ça. Regardez un peu où ils vont. Nos troupes ont été repérées. Ok, donc là ils chargent ici comme prévu, ce qui veut dire que nos cavaliers qui se sont précipités là vont pouvoir reculer et faire des trucs. Ici c'est parti, ça se bouge, ici ça tire. Je sais plus si je leur ai donné un ordre de tir. Oui, tirez sur qui vous voulez. Ici on va attendre de voir où ils vont. Ici, pour l'instant, on n'est pas trop soutenu hein, dans le coin. On va tirer par là. Au garde à vous. Lancier, au garde à vous. En avant. Alors pareil, vous. Choisissez vos cibles plutôt. Pareil pour vous. Ça sert à rien de faire des tirs un peu bizarres. Par exemple ces gens là qui sont totalement le foot en escarmouche. Bon, ici ça devrait être annihilé assez vite, là c'est fait. On va attaquer alors non. Toi tu vas attaquer eux, toi tu vas attaquer ceux-là. Ici on tient, ici on va prélever tout ça, venir ici. S'il vous plaît, merci. Les guerriers ennemis t'écarpissent. Et vous allez me faire une charge de dos là-dedans. Marchez. Vous vous tracez parce que là-bas on va avoir besoin de vous. Au pas de route. Alors ici c'est géré. Hop, vous reculez. Parfait, alors ici ça donne quoi? On est vachement dispersé. Il y a une tentative de passage vers les archers. Eux ils vont tenir, hein, ils font leur taf. Là on s'est fait choper, mais normalement on a quelqu'un qui les poursuit, non? Toi là, t'es censé le choper, t'es censé le poursuivre ça monsieur. Au garde à vous! Pas de quartier! Vous êtes qui vous? Qu'est-ce que vous faites? Au combat. Ici notre charge a été un peu annulée, mais ça fait le taf quand même. On recule. Ici, on est prêt normalement pour une nouvelle charge. Hop, c'est parti. Aux armes. Préparez-vous. Regardez-les fuir. Lâche. Là, nos archers se bougent. Voilà, ici c'est géré. Regroupez-vous un peu. Là, alors là. Là, il y a des gens qui font leur malin. Ouais, c'est une milice armée de lance, on va peut-être pas faire n'importe quoi avec notre stratège. On va les mettre au milieu du combat là. Ici, ça cède. Vous allez pouvoir enchaîner par une charge là-dessus. Ici, alors on a envoyé notre cavalerie un peu en soutien, mais c'était histoire d'eux, hein, donc on va se libérer de ce bordel. Non, pas cette milice, je m'en fous de cette milice. Putain, mais les lanciers là. Les lanciers ils courent là-dessus. Et ici, on va charger dans le dos de ça, s'il vous plaît.
Votre victoire approche. Voilà, parfait. Recule. Ici, ça a cédé sous la pression. Parfait. On va pouvoir charger par là-bas. Là, c'est bon aussi. Ah, eux, ils ont décidé d'aller attaquer mes trébuchets. Ok, très bien. Vous avez plus de munitions, vous, déjà? Vous foutez. Oh, ils ont pas tiré une flèche encore, c'est con. Bah écoutez, ce que vous allez foutre, c'est que vous allez charger là-dedans. Non, c'est peut-être un peu débile de ma part. On va pas envoyer lui non plus. On va envoyer les gardes lanciers. Avec un peu de soutien de cavalerie. Hop, c'est parti. Ici on gère. Ici, on va aller se placer un petit peu de dos. Voilà, on a fait le taf. Donc il reste encore toute cette ligne-là à faire céder. Hein. C'est pas non plus... gagné. Ici on va faire une charge de dos histoire de chambranler un peu le moral quand même. Bon, c'est un peu foiré. Courez, courez. Ici la milice est quand même absolument incroyable. Vu qu'ils ont survécu à ma charge de cavalerie, on va leur faire une charge de hache. Et on va envoyer du coup la cavalerie par là-bas. Parce qu'il va falloir qu'on gère ces gens-là. Ici c'est pareil, toi tu charges tout là-bas. Et vous là, les archers, si vous commenciez à vous sortir les doigts, ce serait une bonne idée, je trouve. Allez hop, en avant. Voilà, ici c'est nettoyé, ici il reste le général. Est-ce qu'il est indémoralisable ce monsieur? Oui, bon, on va laisser notre champion taper dessus. C'est pas grave. Là on va courir, donc là on va commencer à tirer dans le tas, parce que pourquoi pas. Là nos lanciers ils courent après le général. Là on va faire des tirs amis hein, mais on a une seule unité de milice qui tient 4 autres trucs, donc on peut tirer dans le tas comme des gros connards. C'est pas trop grave. On va leur remettre un petit peu plus de pression. Ouais, il commence à perdre en choc. Dépêchez-vous, plus vite. Bon bah ici, ça leur a fait du bien de se prendre une charge de hache dans le dos. Alors là, il y a des gens qui ont attaqué... Ok, très bien. Pourquoi pas? Bon, ils fuient. Non, tout le monde s'enfuit, c'est bon, c'est terminé. Alors... Là par contre, il faut qu'on nettoie cette armée. Alors, déjà... Tous nos archers, ils vont arrêter leur feu, puis passer comme ça, voilà, pour tirer un peu sur ce qu'il y a à nettoyer. Ici, 53 gardes, on les chope. Ça c'est de la cavalerie, c'est mort. Ici, tu vas attraper ces gens, là-bas. Ils sont quasiment sortis, on va plutôt se concentrer sur ceux-là. On a de la cavalerie qui ne fait rien. Ah, ok, ils sont déjà sortis. On va choper ceux-là. Toi. Ça c'est de la cavalerie, on les aura jamais. Ici c'est bon. Ça c'est quoi? Ah ben voilà, toi, occupe-toi de ça. Je crois que c'est ceux que j'ai aussi demandé à... Oui, j'ai aussi demandé à eux de s'en occuper. Il y a peut-être moins de faire mieux. Pas vraiment. La milice armée de sabre, ça aussi. Là, il y a déjà deux personnes dessus. Ah, mais cela dit, c'est tout près de la ligne, donc... L'heure est venue. On va pas réussir à les terminer, malheureusement. Ils sont trop loin. Attends, on a des gens qui ont pas tiré une flèche de toute la bataille, quoi. Pff. Allez, test 3. On nettoie ce qu'il y a à nettoyer. Voilà, là, ils sont enfuis. Là, ils sont enfuis. Là, il n'y a plus rien. Ok, ici il reste des gens.
Ce sont personne. Victoire de justesse. Oui. Alors, on a bien neutralisé ces tireurs, ça me fait bien plaisir. Oh, c'était sympa ce petit finishim là. Alors, bah on va prendre la reconstitution. Ok, donc là on a Lubu qui s'approche de la capitale apparemment. Ah, ici une attaque sur le duché de Zong. Donc là il continue d'avancer, il s'en fout d'avoir perdu la capitale. Bon bah lui il retourne chez lui, hein. Il y a tellement mis cher. Alors lui il veut qu'on reconnaisse sa légitimité, non? Dommage, peu importe. Non. Il y a déjà trois mecs qui se sont déclarés roi là, ça suffit. Ça y est, le royaume de Heishan a franchi la frontière. Ah, on a quelqu'un qui est mort. On a lui qui est mort. Zut. Il faudrait qu'on le remplace du coup par un stratège. Alors, on n'a pas trop de choix, hein. Il y a lui mais il a de la merde. Après ça sera l'occasion, si ça serait complètement l'occasion de le recruter. Garder l'ancien régiment. Et du coup avoir ce mec. Oui, on va complètement faire ça. C'est l'occasion de le recruter en jartant son ancien régiment inutilisable. Allez c'est parti. Donc on a perdu une ferme d'élevage, il y a une guerre déclarée avec Lao Zumeng, ok on s'en fout. Et notre ami est mort, Zhang Zan à 60 ans. Ouais bon, effectivement, on peut admettre qu'il meurt à 60 ans. Donc là, eux ils ont dit ok on y va, ça c'est cool. Événement d'espion, ils tentent de s'infiltrer, ok, trait obtenu. Zhang Zhang a une balafre, mais de toute façon il est mort donc ça ne change pas grand chose. Xinji est devenu philanthrope. Ok. Et Lugang est devenu honnête. Ok. On a des amis. Yu, ok, très bien. Eux, ils ont perdu leur relation. Eux, ils ont perdu leur relation. Eux, ils sont devenus amis. Il y a ensuite la diplomatie. Rendre personnage, on a un niveau à prendre. Un lien par serment, c'est cool. Donc on a perdu la colonie, mais c'est pas très grave. On a découvert une embuscade, mais c'était avant qu'ils nous attaquent, je crois. Hein. Oui, complètement. Soutenez les paysans. On a vous déconnez, on est toujours coincé dans l'aura de ce truc là. Tout est fort et vain. Laissez pas. Putain, c'est abusé. C'est abusé, il va pouvoir se refaire et nous retomber dessus quoi. C'est le peuple. Pas les seigneurs de guerre. Et du coup on a cramé tous nos points. Oh là là, les bugs comme ça c'est chiant. Juste pour sortir de la zone d'influence de cette cité quoi. Soyez patient. Du coup on ne peut rien faire. Confiance au ciel. Bon bah tant pis, on va prendre le niveau, ça sera toujours ça de prix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Champion, bonus de charge. Reconstitution plus 5% quand ce personnage commande, pas mal. Sagesse, ça c'est plutôt... Donc c'est un administrateur, hein, donc ça pourrait être intéressant quand même, plus de réserve. Chance d'embuscade plus 25% à déploiement de guérilla pour notre régiment, hein, bof. Je pense qu'on va prendre la flexibilité. Même si ça sert pas trop pour l'instant, mais 5% de reconstitution, ça pourrait faire plaisir. Hein. Donc il va falloir qu'on s'occupe de ça. On a ce qu'il faut comme armée. Là, je pense qu'on va laisser Zong gérer ce côté-là de la bataille. On va marcher vers Zhangzhou. Ici, alors ici. La prudence est une habileté. On va aller par là. L'objectif étant d'intercepter éventuellement cette armée, voire d'avancer par là. Alors avec une seule armée ça va pas être facile, mais on a nos alliés qui sont en train de se pointer. Ça pourrait être intéressant. Alors ici. Donc ici il faut qu'on aille prendre ce truc là.
Mais l'épisode est déjà beaucoup trop long, j'avais pas vu, en plus j'ai déjà fait un premier très gros épisode la dernière fois, donc on va l'arrêter immédiatement cet épisode. La prochaine fois on aura encore plein de trucs à faire, mais en tout cas ça avance plutôt bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.